Salut les pilotes, on se retrouve sur GT Sport pour poursuivre nos tests des groupes 3 sur le Nürburgring. Et la dernière fois, on avait testé la Mustang groupe 3 qui compensait son manque de maniabilité par une puissance assez abusée, hein, 600 chevaux alors que toutes les autres sont plutôt à 500-550 chevaux. Et ça marchait, franchement ça marchait. Et on va poursuivre avec l'autre Ford dans la catégorie groupe 3, la Ford GT LMS, voilà, que je préfère, franchement je préfère la philosophie d'une Ford GT. Alors est-ce que ce sera plus efficace que la Mustang groupe 3, reste à voir, mais je préfère cette philosophie là. Alors elle fait 599 chevaux pour 1165 kg, elle est pas très lourde, donc je pense que niveau poids elle va se prendre un truc mais giga énervé. C'est parti, elle va sûrement perdre en puissance aussi parce que 600 chevaux ça fait beaucoup, et autant ils avaient laissé les 600, ils avaient augmenté à 600 chevaux sur la Mustang groupe 3, autant je pense que très franchement on va se calmer sévèrement sur une MR là pour le coup. Bon, habituellement c'était plutôt efficace, hein, une Ford GT. C'est fait pour d'ailleurs, c'est directement pensé pour être énervé au Mans, donc il n'y a pas de raison que ça soit pas au moins moyen. On va voir. J'ai déjà un petit peu utilisé cette voiture là, mais pas souvent. Très franchement pas souvent. On va passer ici pour pouvoir déjà couper le contrôle de traction, s'assurer qu'elle est une course dure, ok, et activer comme d'habitude la BOP. Donc qu'est-ce qu'elle se prend? Donc comme prévu, je m'y attendais, elle perd énormément en puissance. Elle est passée à 533 chevaux et elle prend pas mal de poids, hein, 1316 kg, mais il fallait au moins ça pour équilibrer un peu tout ça parce que par rapport aux autres, elle était quand même vachement légère. Allez. C'est parti, on va faire un tour sur la boucle nord. Go! Ouh, j'ai freiné un peu tard là. Oh, ah, 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 non, faut pas déconner. On va la refaire. Bah grave la refaire. Faut pas déconner, le tour 1. Non, hey. Un petit peu spécial. Je trouve que le freinage accuse un petit peu son âge quand même. Faut freiner un peu tôt. La voiture se place bien, par contre elle est un petit peu joueuse en sortie de virage. Enfin pas tellement en sortie, dans le virage je dirais plus. Ça, par rapport à la Mustang de la dernière fois, c'est très maniable. On va faire gaffe sur les freinages. Il faut freiner tôt. Il faut freiner tôt, il faut pas hésiter à bien ralentir la voiture. Parce que j'ai un peu sous-viré quelquefois. Ce qui me surprend un peu quand même. Thank you.
tente pas le diable là. Elle est vraiment un peu lente. Elle est un peu lente à ralentir en fait. Franchement, le reste de la voiture est pas mal, mais son freinage est en train de la flinguer. Le freinage est giga long. Pas s'oublier. Il y a des voitures, j'aurais osé passer en cinquième là quand même. J'ai l'impression qu'elle va plutôt vite. La sortie du carrousel était un petit peu tendue là. Petite glisse. Ok, c'était un petit peu limite là. C'est pas avoir peur de mettre la seconde. On peut y avoir plus de temps ici de passer en troisième. Les rapports de boîte sont peut-être un peu longs. Oh, petit survirage là. Ok, bon, je trouve que, à mon avis, hein, à mon humble avis, je pense qu'elle accuse son âge. Puisqu'on est sur une voiture qui a pas loin de 15 ans quand même déjà. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et c'est dommage, hein, parce que Ford n'a que deux voitures en groupe 3. Une Mustang qu'il a fallu mettre... Oh, on a touché une grosse vitesse là, on est à 2,80 quand même. Oh, oh, oh. Bon, on peut rater ma fin, mais... Bon, 6,52. Je peux peut-être gagner une seconde ou deux, mais...
Et sans quoi, c'est pas. Faut pas espérer tellement plus là. Pour le coup. 6,52,14. Ok. Enfin 0,14. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Parce qu'elle devait être bien en son temps. En fait. Là, je sens que le châssis, il accuse son âge un petit peu. C'est un petit peu joueur en sortie de virage. Le freinage, il manque un petit peu de mordant. Donc, on sent qu'on a envie d'attaquer, mais qu'on peut pas vraiment. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Ça aurait été bien qu'on ait la dernière Ford GT, celle de 2016. Mais non, on n'a pas. Et cette voiture, qui date quand même, genre, elle doit dater de 2005, hein, quelque chose comme ça. Ça commence à faire vieux. Vraiment, ça commence à être vraiment vieux. Bon, eh bien, on va se laisser là-dessus. Hein, je vais vous rappeler que je stream régulièrement sur Twitch. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Si vous voulez voir des courses en live, bah c'est sur Twitch que ça se passe. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu de ce genre-là. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao! Emotional suicide. You know it's a knife for eye.